Comment trouver votre feu sacré ? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, développement professionnel et marketing que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un procédé qui vous permet de découvrir votre feu sacré, c'est-à-dire votre mission dans la vie et la compétence unique dont vous disposez qui vous rend plus brillant que tous les autres. Ce principe est expliqué dans le livre « Unique Ability » de Dan Sullivan. Il s'agit d'un livre écrit par l'un des coachs les plus célèbres au monde. Dan Sullivan a accompagné beaucoup d'entrepreneurs à succès et il est à la tête d'une société de coaching qui s'appelle Strategic Coach, dont je recommande vivement les services. J'ai été moi-même coaché par Strategic Coach pendant plusieurs années parce que je cherchais à transformer mon entreprise pour que mon entreprise puisse devenir ce que Strategic Coach appelle en anglais une self-managing company, c'est-à-dire une entreprise autonome. Quel est l'intérêt d'une self-managing company ? Eh bien, c'est en tant qu'entrepreneur, avoir une entreprise qui est autonome, eh bien, ça vous permet en fait de vous concentrer sur l'aspect stratégique, sur la réflexion de dans quelle direction devrions-nous aller. Et quand vous êtes à la tête d'un bateau et que vous n'avez plus besoin d'être en train de ramer vous-même, et que l'étape suivante, vous n'avez plus... Donc, au début, vous êtes en train de ramer, vous devez tout faire. Vous ramez, vous lisez la carte, vous lisez la boussole, c'est un peu compliqué. Quand vous commencez enfin à ne plus avoir besoin de ramer, que vous avez un moteur et vous avez juste à gérer le gouvernail et la carte et la boussole, c'est un peu mieux, mais ça reste encore beaucoup de travail et beaucoup de travail ingrat si vous essayez de tout faire en même temps. Ensuite, on passe à l'étape suivante et vous n'avez plus besoin de ramer, vous n'avez plus besoin de gérer directement au jour le jour le moteur parce que quelqu'un d'autre tient le gouvernail. Et maintenant, vous pouvez vous concentrer uniquement sur regarder la carte et décider où est-ce qu'on va. Eh bien, le fait de pouvoir prendre ce temps stratégique et que l'entreprise se gère, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Et l'étape suivante, c'est d'avoir une entreprise qui est non seulement autonome dans sa gestion au quotidien, mais qui soit capable de croître par elle-même. Et quand vous faites cela, eh bien, ça vous permet à vous, l'entrepreneur, de vous consacrer uniquement à ce que j'appelle votre feu sacré et ce que Dan Sullivan appelle votre « unique ability ». Il s'agit donc des compétences qui vous font vibrer et dans lesquelles vous avez ce potentiel de devenir un des meilleurs experts au monde parce que c'est une activité que vous faites dans laquelle vous ne voyez pas le temps passer et dans laquelle vous pouvez être immergé avec plaisir pendant des heures, des journées, des semaines et qui vous rend en fait unique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne sur Terre dispose d'un feu sacré. Chaque personne, même les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est peut-être votre cas, il y a des gens qui, pendant toute votre éducation, pendant votre enfance, pendant votre adolescence, pendant vos études, vous n'avez pas arrêté de vous faire rabâcher par des professeurs, par les adultes, par l'autorité, que vous n'arriviez à rien, que vous n'arriviez pas à avancer, vous avez toujours eu cette sensation de ne pas rentrer dans le moule. Eh bien, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas rentré dans un moule imposé par un système éducatif, scolaire, ou imposé même par le monde du travail, c'est pas parce que vous n'êtes pas rentré dans le moule des autres que ça ne veut pas dire que vous avez cette compétence, cette qualité qui pourrait vous faire vibrer. Au contraire même, ça veut dire que vous avez probablement cette étincelle et que cette étincelle est très différente de celle qui était attendue à l'école, de celle qui était attendue par vos anciens patrons, de celle qui était attendue sur les bancs de l'université et que si vous trouvez cette étincelle, vous pouvez amener une lumière entièrement nouvelle, une lumière entièrement différente de ce qui se fait déjà et donc ne plus être un de ces personnages un peu gris qui vivent une vie de désespoir au quotidien. Donc, ce que dit Dan Sullivan dans ce livre, qui malheureusement, à ma connaissance, n'a pas été encore traduit en français parce que Dan Sullivan publie lui-même ses livres et donc du coup, il est publié que dans sa langue qui est l'anglais. Mais c'est un excellent concept qui est de se dire en fait, il est possible de découvrir, déjà premièrement, tout le monde en a une, tout le monde a un feu sacré,
Mais deuxièmement, c'est possible de le découvrir, notre feu sacré, et de découvrir ce qui pour vous est évident, mais qui pour les autres est difficile. Et c'est en fait une des caractéristiques de ce feu sacré. Ce qui vous caractérise comme feu sacré, c'est quelque chose que vous, vous ne penseriez peut-être même pas à mettre particulièrement en avant ou à utiliser professionnellement, parce que ça vous paraît mais évident. Et donc, si votre feu sacré, c'est de faire, je prends des exemples artistiques, on va dire, si votre feu sacré, c'est de faire de la peinture réaliste, bah, pour vous, c'est évident, vous peignez les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal que de faire ça, de votre point de vue? Alors que pour les autres, c'est sidérant que vous arriviez à un tel niveau de réalisme. Si votre feu sacré, c'est la pédagogie, expliquer les choses clairement, bah, pour vous, c'est super évident, parce que une fois que vous avez compris que A plus B égale C, vous expliquez aux gens, hey, A plus B égale C. Et les gens font, waouh, comment est-ce que ça se fait que tu... Et pour vous, ça ne vous viendrait jamais à l'esprit que ça soit une compétence extraordinaire que de juste pouvoir réexpliquer un truc que vous avez compris. Si votre compétence, c'est... Et dans le domaine de la communication, eh bien, pour vous, c'est juste parler normalement, parler clairement, écrire clairement. Alors que pour d'autres personnes, vous êtes capable de faire ce qu'ils mettraient des années à s'arracher les cheveux, à tenter de faire et je le ferais de travers. Vous, vous le faites de façon simple, efficace, réussie la première fois. Et il y a des personnes dont la compétence, c'est juste d'organiser des choses dans l'espace et qui en font après leur profession, une fois qu'ils ont ce déclic de dire « moi, je sais ranger ». Et visiblement, il y a plein de gens qui ne savent pas ranger. Donc, en fait, ce qui est un peu traître avec ce feu sacré, c'est que justement, aux yeux des personnes extérieures, il s'agit d'une compétence que vous avez qui vous différencie en fait des autres. Mais pour vous, justement, comme c'est quelque chose qui est facile, donc que vous pourriez faire comme ça, les yeux fermés, les yeux bandés, dans le noir, avec une main attachée dans le dos, eh bien, du coup, on n'y pense pas. Et ça nous force à fournir énormément d'efforts et à lutter, à faire des choses qui ne sont pas faites pour nous. Je vais vous donner un exemple personnel. Au tout démarrage de mon activité, quand je me lançais dans le coaching, donc on est en fin 2007, début 2008, je lance mon activité de coaching en cherchant un petit peu mes repères. Donc je fais du coaching amoureux pour les célibataires, je me demande est-ce que je vais faire du coaching en développement personnel plus vaste, qui est une très mauvaise idée, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, ne jamais faire du coaching développement personnel, c'est trop vague, ça n'intéresse personne. Et j'assiste à un séminaire de Tony Robbins, je vois Tony Robbins sur scène, et je trouve ça phénoménal, cette énergie qu'il a, cette force de conviction, cette pédagogie, je trouve ça phénoménal, et je me dis, ça, je pourrais faire ça. Faire un séminaire toutes les semaines ou tous les mois et communiquer comme ça sur scène, je pourrais le faire. Et effectivement, je peux le faire, je l'ai fait. Mais c'est quelque chose qui est très consommateur d'énergie. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, par exemple, sur mon séminaire Entrepreneur Libre, ou quand j'interviens dans une conférence organisée par un de mes mentors, un de mes partenaires, quand je suis sur scène comme ça devant 500 personnes ou 1000 personnes ou davantage, et que je partage mon savoir, sur le moment, j'adore ça, c'est très bien, les gens, je pense, apprécient, sinon on ne m'inviterait pas à revenir sur les mêmes scènes pour repartager l'année d'après. Donc le public apprécie. Moi, je trouve ça bien de partager avec le public. Mais en fait, ça me nécessite un temps mental de préparation. Ça me nécessite une énergie incroyable de présenter, ne serait-ce que 20 minutes. Même pas pour dire quand je fais mes séminaires de 3 jours et que je suis sur scène de 7h à 22h, ce qui est évidemment encore multiplié, décuplé. Qui fait qu'après, pendant une semaine, j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin, sans parler à un autre être humain, même pas à ma femme, sans voir personne, juste pour récupérer. Et ça, c'est un signe qu'en fait, ce n'est pas mon feu sacré. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je peux faire, que je peux faire avec un niveau de compétence et d'excellence. Je me permets de dire ça parce que je connais ma valeur, mais ceux qui ont déjà participé à un de mes séminaires pourront le dire dans les commentaires si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais je peux exécuter ça avec un niveau de compétence et d'excellence. Je peux être très bien payé pour le faire parce que quand je fais un pitch pour proposer un produit ou un service sur scène, ça me permet de générer
20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros ou bien davantage. Je crois que mon record est dans les 300 000 ou quelques euros ou 400 000 euros générés en quelques minutes en fait de vente sur scène. Mais le signe que c'est pas mon feu sacré, c'est la quantité de temps de récupération qu'il me faut pour être capable après juste de survivre. et c'est un signe que c'est pas mon feu sacré. Donc, ce que je reviens sur ce principe que tout le monde en a un. Votre feu sacré, pour vous, c'est quelque chose qui est assez évident et qui, du coup, fait que c'est difficile de s'en rendre compte parce que c'est quelque chose d'évident. C'est comme si je vous disais, votre feu sacré, c'est de respirer. En fait, imaginez que vous êtes sur une planète d'asthmatique et vous respirez normalement. Pour vous, c'est tellement évident, vous n'allez pas vous rendre compte qu'en fait, les autres, ils adoreraient qu'on leur explique comment respirer comme ça. En plus, vient s'ajouter le fait qu'on a tendance à vouloir se lancer dans des choses qui nous nécessitent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour arriver à un résultat correct, voire médiocre, alors que notre feu sacré ne nous nécessite aucun effort pour arriver à un résultat d'excellence. Et donc, ce qu'explique ce livre, c'est qu'il y a un processus, et ce processus est tout simple. Si c'est évident pour les autres, ce que vous faites qui est exceptionnel, et c'est très difficile pour vous de le savoir, eh bien, la meilleure façon de savoir quel est votre feu sacré, eh bien, c'est de poser la question aux autres. Et donc, l'auteur dit copier son exemple d'email. Donc, il donne un exemple d'email et dit, vous envoyez un email à tous vos contacts et dans l'email, vous demandez tout simplement « Bonjour, j'ai lu un livre qui parle du fait qu'on a tous une compétence unique, un feu sacré, et j'aimerais savoir, de ton point de vue, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai comme compétence ou comme talent qui me rend unique. Qu'est-ce que toi, tu vois comme étant un de mes talents, une de mes caractéristiques, quelque chose que je fais de bien, quelque chose sur lequel on peut compter sur moi ou une autre caractéristique qui me distingue d'autres personnes. Est-ce que tu veux bien me répondre d'ici telle date, s'il te plaît, ou rapidement avec ta réponse ? Et en fait, si vous posez cette question-là et que vous obtenez une dizaine, alors moi je dis toujours une trentaine, parce que 30 réponses, ça nous donne un résultat qui est statistiquement valable. Réponses d'anciens collègues, anciens superviseurs, anciens camarades d'école, conjoints, enfants, membres de la famille proche, donc des personnes qui vous voient quand même assez régulièrement, ou qui interagissent avec vous assez régulièrement, professionnellement ou non, eh bien vous allez repérer, tiens en fait, il y a un point commun. Et ça va vous permettre de savoir quel est votre feu sacré à vous. Et une fois que vous savez quel est votre feu sacré, eh bien vous pouvez aller dans cette direction de concentrer votre temps de travail sur ce feu sacré. Et vous allez constater que ce feu sacré, c'est les 20% d'efforts qui amènent beaucoup plus que 80% de vos résultats. Donc, dans d'autres vidéos, j'ai déjà partagé les conseils sur comment faire pour concentrer nos efforts uniquement sur notre feu sacré, mais jamais vraiment parler de ce principe et de pourquoi est-ce qu'il faut le faire et du fait que c'est possible de déterminer votre feu sacré. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, si vous n'êtes pas encore capable de l'exprimer, moi, j'ai découvert mon feu sacré lors d'une session de coaching en anglais. Donc, étant bilingue, je le pense toujours en anglais. Mon feu sacré, c'est « to playfully challenge others, to play full out and reach their highest potential ». Donc, en français, ça serait, mon feu sacré, c'est d'aider les autres de façon, non, enfin de, je pense tellement en anglais. Mon feu sacré, exprimé en français, en fait, c'est d'aider les autres à se remettre en question, mais de façon ludique, afin qu'ils se donnent à fond pour atteindre leur plus haut potentiel. Et donc ça, maintenant que je connais ce feu sacré, je l'accomplis en fait à travers mes différentes modalités. Je fais à travers mes vidéos, je fais à travers mon atelier Le Secret des Entrepreneurs Libres que j'organise une à deux fois par an et où je suis en live comme ça quasiment tous les jours et ça me permet d'interagir avec les gens et de les taquiner et de les pousser dans leur retranchement et de les aider à atteindre leurs résultats. Je fais à travers ma formation La Machine à Vendre et je le fais à travers mon consulting. Mais du coup, ça veut dire que je dois laisser de côté les activités qui ne sont pas dans mon feu sacré. Faire moi-même le montage de mes vidéos, faire moi-même mon site web. Tout ce qui tourne autour de ma profession et dont j'ai besoin dans mon entreprise, mais qui ne correspond pas directement à l'exécution de ce feu sacré. Et quand vous faites ça, eh bien, vous avez à ce moment-là enfin votre entreprise autonome et une entreprise ensuite qui devient extrêmement prospère.
On se retrouve lundi prochain pour une autre lecture de l'Entrepreneur Libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir gratuitement les vidéos, eh bien, je vous mets un lien dans la description, en haut-dessus, au-dessus ou à côté de cette vidéo, qui vous permet en fait de vous abonner, ce qui fait que je vous enverrai gratuitement les nouvelles vidéos quand elles sortent chaque semaine. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, je vous y explique un système marketing extrêmement simple que vous pouvez mettre en place pour automatiser vos ventes, pour que l'entreprise puisse se développer à vitesse grand V pendant que vous, vous vous concentrez uniquement sur votre feu sacré. Et en ce moment, je propose une offre assez exceptionnelle où vous pouvez tester mon livre gratuitement avec plusieurs bonus afin de vous décider si ce livre vous convient. Et ça a été le cas déjà pour plus de 15 000 entrepreneurs à travers le monde. Donc, j'espère que ça sera le cas pour vous également. Le lien se trouve dans la description de ce podcast d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. À très vite. On se retrouve à accompagner des personnes qui sont dans des situations de vie et des besoins extrêmement différents. Et pour le faire, eh bien, j'ai décidé d'utiliser les conseils d'un livre de référence intitulé